Depuis quelque temps, des inondations accablent les populations vivant le long des cours d'eau. Saisi de la situation, le gouvernement s'active à trouver des solutions pour tenter de soulager les sinistrés. On a été sur un certain nombre de sites prendre les informations. On a essayé de mobiliser des ressources financières. Dans d'autres cas, on a envoyé des hélicoptères de secours pour un accident l'autre jour. Donc on fait ce qu'on peut au fur et à mesure, selon les opportunités, les problèmes qui se présentent. La grande difficulté pour les gens qui ont été inondés, c'est de savoir où est-ce qu'on peut les placer pendant qu'ils sont inondés. Et comme vous le savez, les gens ne sont pas inondés en un centre-ville, ils sont inondés à beaucoup d'endroits. Donc il n'est pas possible de les déplacer pour les loger systématiquement. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est de leur apporter des kits de soutien en termes de nourriture, en termes de médicaments. Parmi les dossiers sur la table du Conseil des ministres, le recrutement à la fonction publique. Selon le ministre, ses équipes sont déjà à pied d'œuvre. Nous sommes en train de travailler déjà en vue de donner des réponses dans les semaines à venir. Pour être fonctionnaire, il faut justifier d'une qualification professionnelle pour qu'on puisse vous recevoir dans un secteur déterminé dans lequel votre profil sera sollicité. Non en reste le secteur de la justice, après la tenue de la première convention annuelle du secteur de la justice qui a connu plusieurs années de grève sous le régime déchu, le ministre Paul-Marie Ngondjou a déclaré que le dialogue est maintenu avec les partenaires sociaux. Le dialogue social que nous engageons avec les partenaires sociaux est là pour justement apaiser tout le monde et faire en sorte que les revendications des uns et des autres puissent être accomplies, mais de manière responsable et en fonction des priorités de l'État. D'autres dossiers, tels que l'économie, la diplomatie, ont également dominé les débats au cours de ce Conseil des ministres, à l'issue duquel le président de la transition s'est rendu à Yaoundé au Cameroun.